Gueule molle. On a acheté 10 euros. Ouais. 10 euros. Si je prends les deux. Oui. 15. Oui. Dizaine. Ouais, bah. Oui. Donc ça va aller. Je prends pas ton carte. Ouais, 5 euros, j'en prends quoi? J'ai rien compris ce que tu m'as dit. Est-ce que tu veux des cartes comme ça? Et ça combien? Quoi, 5 euros. C'est lesquelles? Celle-là, ça combien? Celles-ci, elles sont à 3 euros. Donc je vais prendre ces deux-là déjà. Les autres, elles sont à 5? Oui, c'est ça. C'est les... Non, c'est pas les mêmes, celles-ci? S'il y en a deux qui sont les mêmes, c'est celle-ci. Je prends comme ça. Comme ça. Au prochain, on a mis ça dans. Et. Là, après, ouais, c'est oui, c'est donc je prends la carte, ça, la boîte. Là, il y a des cartes dedans. Oui, par contre, vous allez les enlever les cartes et puis tu vois ça après les cartes. Voilà. Et là, ça me fait. Alors, on avait dit 16, 18. 15 euros, ça vous irait le oui, tout? Oui, c'est bon. Voilà. Oui. Et celle-ci, vous les faites à quoi? Alors, c'est pas moi, c'est monsieur. Ah, c'est à vous, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. Voilà, merci. Enfin, si vous cherchez, on n'est pas exposé. Non, non, d'accord. Mais après, là, on aura à peu près 10 mètres que de cartes Pokémon. D'accord, ok, ouais. Bah on passera peut-être tout à l'heure, alors. Ouais, je vais te dire. Déjà, je vous prendrai bien. Yes, à l'intérieur. Ouais. L'album. L'album. Ça, c'est plus cher, ça, je crois. Non. Sylvie, tu peux donner un renseignement sur la... C'est combien? Sur quoi donc? Le livre, le petit livre de Pokémon, c'est combien? Oui, alors, il paraît qu'il faut que je revienne. Alors là, ces petites cartes, alors je vous dis ça comme ça, pour non, tout l'ensemble, vous voyez. Alors ces petites cartes-là, je suis obligée de les vendre 50 centimes. Oui, l'album, vous le faites à combien? Donc là, on va dire 2,50. 2,50, toi, Léon. Ah bah ça y est, je sais pas. Ah bah d'accord. Bon bah je vais vous payer déjà ça. Alors ça fait 4. 4. On a pris ça aussi. On a pris ça. Vous avez pris ça? Ça c'est 10 euros. D'accord, on prend Eden. Hein, avec tous les figurines c'est 10 euros. Non, c'est 10 euros. C'est un jeu, c'est le arrangeur, ça avec toutes les figurines. Hein. Ouais, là. On prend? Ouais. Ouais. On prend. Vous avez la alors, on a 10, il y a 10, 2, 4, ça fait 14. J'avais ça, j'avais le chat sur le dos. Oui, on va regarder après, c'est des figurines. Voilà, j'ai 13 points, ça vous va? C'est bon. Allez, merci. Moi, j'ai fait 50 centimes. Mais ça en plastique, ça va bien. Le poster avec ici. Voilà. Pour Pokémon, il y a tout ça. Et ça, c'est un poster, ça. Ça, c'est pour Harry Potter. Ça c'est les posters Pokémon. Mais vous avez fait combien les posters? 50 centimes aussi. Pour le tout là. Avec les posters. On est à 5,50. 5 euros ça vous irait? Ouais, très bien. Salut les amis, alors j'ai encore fait un super vigrunier. Alors par contre, il y a juste le premier stand que j'ai pas filmé parce qu'il faisait encore noir. J'ai pas que l'excuse du manque de lumière, alors je me suis jeté dessus parce que j'avais peur que des gens me les piquent. Voilà, tout simplement. Donc là c'est bon, j'ai préparé la pile. Par contre, j'ai laissé deux Mario chez ma mère, c'est le Super Mario Bros. Et l'autre Mario c'était quoi? Ah oui, c'était Mario Galaxy, donc là je les ai pas là. Par contre, je vais vous faire voir tout ce que j'ai ramené. Alors... celui-là, je ne le connais pas. Encore plein de jeux à tester. J'ai un problème avec ma console, j'arrive pas à faire marcher mon câble d'alimentation. Alors je sais pas ce qui se passe. Foot de rue. Je l'avais sur DS celui-là. Je l'ai toujours sur DS d'ailleurs. Complet. Tous les jeux sont complets. Enfin, il me semble.
un jeu de Bucks. Mais normalement, oui. J'avais regardé un petit peu, mais j'ai pas regardé tout. Donc. Vacances, sport, partie. J'aime bien les jeux de sport, mais alors est-ce qu'il est bien celui-là? J'en ai aucune idée. Complet. J'ai Game Party. Moi je connais que le Wii Sport. Mais... j'ai pas testé les autres. Le Wii Sport ça doit être le plus connu je pense. Et le meilleur aussi. J'ai un Tomb Raider. Complet. Alors là j'ai un jeu mais je sens qu'il est médiocre. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il existe aussi sur la PS2, il me semble avoir déjà vu quelque part celui-ci. Je sais pas s'il est tip-top. Pas bon signe, je le sens pas celui-là. Il donne envie, mais je sens que c'est pas terrible. Je sais pas pourquoi. On verra. Alors, j'ai celui-là, lui je crois que je l'ai déjà. En double. Complet. Et j'ai un Mario ici, les deux autres Mario, je les ai laissés chez ma mère. Celui-là, je l'avais pas. Enfin, il me semble. Je vérifie. Il est complet. Donc voilà, donc là, j'en ai combien? J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec celui que j'ai essayé chez ma mère. J'ai eu le tout, les 11 jeux pour 30€ et il m'a donné ça avec les protège-manettes. Trop content. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Ensuite, j'ai eu ça pour 2€. Donc je l'ai déjà, mais c'est pas le même. Le mien, il est moins épais et il m'a l'air plus vieux. Je vais vous montrer la différence. Je vais aller le chercher. Celui-là, c'est celui que je possédais déjà. Voilà. Et celui que j'ai acheté au grenier, il est un peu plus épais. Donc je sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être une réédition. Je sais pas trop. Du coup, je sais pas si je dois garder les deux ou pas. Autant garder le plus épais puis revendre l'autre. Hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. J'ai aussi des jeux PS4. C'est pas des jeux tip top en hein. Sport. C'est que du sport. Complet. Après, il y a des jeux de PS4 qui ont pas de notice. Hein. FIFA. En très bon état. Hein. Et Minecraft. Et un objet de foot. J'ai eu le tout pour 13€ au lieu de 16, il me semble. Donc voilà, 13€ le tout. Ah, j'ai un autre jeu de PS4, mais celui-là je l'avais payé un peu plus cher, 5€. Voilà. J'ai aussi acheté ça pour 10€, mais avec j'avais une grosse boîte avec plein de figurines dedans, mais je l'ai pas emmené là. Bon, voilà, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Mais je crois que ça a été filmé. Faudrait voir. J'ai pas encore fait le montage, donc je m'en rappelle plus. Bah si, attendez, j'ai encore oublié. Il y avait celui-là aussi dans le lot tout à l'heure. Donc du coup, j'ai eu les 12 jeux Wii pour 30€ avec les protèges. Je l'avais oublié, il était derrière moi. Ah bravo, il se cache. Alors Tap Tennis, je sais pas ce que ça donne. Ça peut être pas mal sur la Wii. Et j'ai eu aussi 3€ celui-là. Un petit jeu d'anglais. J'aime bien l'anglais, alors j'ai pris. Les autres, c'était des Léa Passion. Ça m'intéresse pas trop du tout. Je les ai laissés, hein, les autres. 3€. Ouais. Ouais, j'ai juste pris ça. J'ai aussi une grande carte Dracofeu. Que j'ai eu en lot avec d'autres cartes. Mais, c'est ma mère qui les a gardées. Moi, j'ai juste gardé ça. Elle se met à collectionner les Pokémon. Oh, la concurrence. Au secours. Un autre bouquin Pokémon. Il s'agit de Détective Pikachu. J'avais vu le film, je m'étais endormi devant, j'ai pas accroché. Donc je sais pas, je vais lire le bouquin quand même. Bon, je suis pas un grand lecteur, mais je sais pas, j'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas quand est-ce que je vais lire. Je vais le mettre de côté. J'ai encore des Pokémon à vous présenter, mais avant ça, je voudrais vous faire voir ça. J'ai lu pour 1€. Il n'y a pas écrit l'année d'édition, mais c'est assez vintage maintenant. Hein. Voilà. C'est les premiers jeux vidéo. Et dedans. Il y a même des pages qui ont été. Enfin, je pense pas que ça vient du même livre, mais de la même collection. Parce que regardez là, il y a 3 autres bouquins. Donc, ça, je me demande si ça va pas avec un autre livre qui fait partie du
Après, j'en sais rien. Mais je trouve ça bizarre que ça se balade là-dedans, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, ça doit être intéressant à lire. Ensuite. Ah, j'ai d'autres cartes Pokémon, là. Elles étaient cachées. Bon, c'est que des grandes. J'ai laissé les petites à ma mère. Alors, en voici une. Elles sont trop belles. Elles brillent, celles-là. Elle aussi, elle brille. Oh, ma collection de grandes cartes Pokémon augmente. J'arrête pas d'en trouver en ce moment. Dans le grenier. Après, je les prends pas toutes, hein, parce qu'il y en a, ils les vendent super cher. Hein. Là, c'était en lot, donc ça va. Ensuite, magazine Pokémon. Alors, par quoi je commence? Alors, j'ai eu ça pour 50 centimes. Donc, il est nickel, hein, c'est pour les cartes dedans. Oui, tout neuf. Mais... J'ai eu ça avec 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes et 50 centimes. Il m'a fait un lot. Je sais plus combien j'ai payé du coup le tout. Un livre qui ressemble aux Pokémon. Sauf que là, c'est pas les Pokémon, c'est Bokamon. C'est ça, un hein, Bokamon. Ou Bakamon, je sais pas comment ça se dit. Je pense que c'est un A, ça. Hein. C'est pas un O. Hein. Ça doit être Bakamon. Un jour je serai. Trois petits points. Donc c'est le premier volume. Donc je sais pas s'il y en a eu deux, je pense que oui. Mais... Il a l'air bien. Ah, c'est une BD. Et voici l'arrière. Et je l'ai acheté. Je l'ai acheté 3€ et 9 il vaut 11,95€. Et il est pas abîmé, hein. Juste un petit peu écorché là, et puis là, légèrement, hein. C'est tout. Donc je pense que j'ai fait une bonne affaire là aussi. Et j'ai aussi trouvé un petit Waps Yu-Gi-Oh! J'ai carrément le jeu Waps Yu-Gi-Oh! Et j'ai aussi la version Pokémon. Faudrait que je vous montre ça le jour où je joue. Faudrait que je vous montre ça le jour où je referai une gaming room, peut-être, je verrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut, salut !